Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, je vais vous parler de Jordan Bardella. Eh oui, Jordan Bardella, l'homme de paille les amis, l'homme creux. Comment c'est possible qu'on soit si peu à se rendre compte que cette personne est en train de bluffer tout le monde? Oh, vous remarquez pas que ses actes et ses mots n'ont rien à voir? Non, c'est incroyable. 30% dans les sondages, le gars ne fait rien. On va voir ça ensemble, vous allez craquer. Mais avant de commencer les amis, j'aimerais remercier le youtubeur PagesReact. Voilà, P-A-G-E-S-S-E. Merci Pages. Les amis, c'est le patron, écoutez-moi ça. Et ça, je l'ai vu à cause d'une personne qui m'a dit avoir été tagué avec moi. Donc, c'est Média Masqué. Donc, petite pub pour Média Masqué m'a demandé de le faire. Moi, je suis un petit youtubeur. Je ne sais pas si ça va te faire gagner des abonnés ou des gens qui vont regarder tes vidéos. Mais il fait le même genre de contenu que moi. Donc, allez-y, si vous voulez, sur YouTube. Il s'appelle... Magnifique, mon ami. Magnifique. Franchement, tu m'as fait vraiment plaisir. C'est simple. Quand j'ai vu ça, j'ai eu le sourire de Goldie Roger. Voilà. À deux doigts, je prenais mes affaires. J'allais chercher le One Piece, mon ami. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop beau pour être vrai. Tu m'as validé. Magnifique, les amis. Validé par Pagues. C'est très simple. Avec ta petite phrase. Hier soir, t'as multiplié la fréquentation de ma chaîne par 4. Je t'applaudis avec les mains, je t'applaudis avec les pieds. Merci, Pagues. Et les amis, je sais même pas comment vraiment le remercier. Ce que j'aimerais, j'en rêve, c'est que vous m'aidiez, les amis. Si vous êtes des bons, si vous voulez m'aider, si vous voulez me faire plaisir, allez sur sa chaîne, allez sur la dernière vidéo et tout simplement écrivez un commentaire. Merci de la part du masqué. Voilà, tout simplement. En faisant ça, les amis, si vous êtes suffisamment à le faire, on va le choquer. Il va se dire, mais c'est quoi cette communauté? Mais c'est qui ces personnes? Montrez-lui, les amis. Montrez-lui votre détermination, voilà. Le petit message de remerciement du masqué. Abonnez-vous à sa chaîne et permettez-moi à travers vous de le remercier. Franchement, si vous le faites, vous êtes vraiment des bons. Bon, maintenant, on va revenir aux choses sérieuses et on va passer au cas Bardella. Les amis, juste regardez ça. Si vous ne vous souciez pas de Bruxelles, c'est Bruxelles qui continuera de se soucier de vous. Vous ne vous souciez pas beaucoup, vous, de Bruxelles. Ah bon? Ouais. Franchement, quand on regarde, on se dit que quand vous êtes à Bruxelles, je ne sais même pas ce que vous faites. Vous arrivez, vous allumez l'ordi, vous faites un petit café. Enfin, je ne sais pas. Mais vous, vous faites quoi quand vous arrivez à la rédaction? Vous faites un café? Je peux vous dire qu'en plus, comme il est très très tôt, en général, quand j'arrive, chaque minute compte. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en 5 ans, vous avez déposé 21 amendements. Quand Manon Aubry en a déposé 3460, quand François-Xavier Bellamy en a déposé 1200. Mais non, les amis, c'est lui qui est en tête de sondage des européennes, vous êtes sérieux là? C'est trop, c'est un homme de paille, 21 amendements. Quand en face, ça en a posé 3400. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais, Bardella? C'est un boulot fictif que tu as. Excusez-moi, il est payé à faire quoi? Mais les amis, moi j'avais pas compris. En fait, lui, son métier, c'est d'être star de la télé-réalité, c'est ça? Il fait le tour des plateaux, il nous raconte des chansons et derrière, il fait rien du tout. Rien du tout. Et vous allez lui donner du pouvoir. Le gars est en pur bluff. Il n'a aucun jeu. Derrière ses cartes, il n'y a rien. Non, c'est trop, les amis. 30% pour cette personne. Et en plus, regardez bien quels sont ses liens. Voilà les amis, on s'en rappelle très bien de celle-là. On a ici Manuel Bompard qui se fait disputer par meilleur Khabib avant que ce dernier ne fasse la bise à son bon pote. J'ai nommé Bardella les amis. Ah bah oui, il va protéger vos intérêts. Non mais ce que vous faites, vous avez qu'à mettre meilleur Khabib directement en tête pour les européennes. Non mais cassez-vous plus la tête hein. Si c'est pour mettre un de ses pantins, mettez-le lui directement. Non, c'est pas possible. Je refuse de croire que 30% des Français vont voter pour un homme qui n'a rien, qui est vide. À la limite, si encore il était en train d'appliquer son discours de Rasselard, mais même pas! Il vous fait un discours de Rasselard et ensuite il s'en lave les mains! Il s'en lave les mains! Et regardez-moi ça, quand on pose la question aux personnes qui le soutiennent, pourquoi elles le soutiennent, elles ont bien du mal à nous répondre, hein. Et quels sont pour vous les points les plus importants dans le programme du Rassemblement National, si vous devez citer 2 ou 3 points? Alors la sécurité. Oui. Je suis maman, je suis mamie, donc je vais me battre tant que je pourrai. Pour qu'on retrouve la sécurité en France. Très bien. Et à part la sécurité? À part la sécurité, qu'on soit français. Non, la sécurité, qu'on soit français. Mais vous croyez que c'est qui en fait Bardella? Le juge Dredd? Vous pensez vraiment que vous allez lui donner le pouvoir? Il va aller dans la rue. La loi c'est moi. Et il va arrêter tout le monde. Mais il va rien faire. Il ne va rien faire. Vous avez entendu ou pas? 21 amendements. Et en face sur la même durée,
ils ont rentré 3400 amendements. Non mais c'est incroyable. Ils ne bossent pas. Ils vous a flouté, comme je vous le dis. En pur bluff, c'est incroyable. Même elle, je ne sais même pas pourquoi elle va le voter. On a là une personne qui a un t-shirt avec son nom dessus. Elle ne sait pas qui est ce mec. Non, non, je vous le dis, c'est trop. À ce compte-là, on met n'importe qui, c'est pareil. C'est pareil. Franchement, les amis, ça me flingue. J'arrive pas à comprendre comment il peut être en tête des sondages alors qu'il a rien fait à part parler, voilà. Il a rien fait à part parler, c'est incroyable. Et je vous le dis, ça en dit long sur les personnes qui le soutiennent. Parce que vous vous rendez même pas compte qu'il a rien fait. C'est ça le pire. Il arrive à vous faire croire qu'il a fait quelque chose sans rien faire. Mais c'est magnifique, c'est quoi cette douille? Les amis, j'ose le dire, ça part en couille. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et allez le mettre sur la chaîne à Pagès aussi. Dans les prés, sans te soucier du temps qui passe, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit